italien. Traversée internationale du lac Saint-Jean, from Argentina, Achilles Balodo. Call him our own. From Argentina, Damien Baum. Lac Saint-Jean, she's here for the eighth time. From Argentina. Verte recrue, c'est un nageur qui a énormément d'expérience. Karlovacic, Philippe Gertin qui a été retiré de l'eau et tiré l'an dernier. Le champion Xavier Dernais qui. Et Alex Meyer, notre champion! Et c'est ici au Lac Saint-Jean. Alex Meyer qui touche le panneau d'arrivée maintenant en 6h28. Et derrière, il se dirige vers la dernière bouée de contournement. C'est l'Italien Stocchino. Alexander Meyer qui coûte l'eau. En forme, comme vous le voyez. Au large de l'usine de filtration. Eduardo Stocchino. Et maintenant, c'est fait. Eduardo Stocchino en 6h31. Qui était avec nous donc pour une deuxième reprise à la traversée. Assuré qu'il n'a pas de perte d'équilibre, eh bien, il est en grande forme. Stocchino, Stepanovski à droite qui termine au papillon. Stepanovski s'avance, les deux, ils restent côte à côte. Et Kozigov et Stepanovski, ça se bouscule. Stepanovski, Kozigov, et les deux touchés. Lui aussi a nagé longtemps avec le peloton de tête, mais n'a pas été en mesure de résister à la poussée d'Alexander Meyer. Alexander, donc, Aguiles Balaudo. De l'Argentine qui s'amène sur le fil d'arrivée. Balaudo de l'Argentine. Il touche le panneau. Maintenant, ouais. 6h47 minutes 16 secondes. Aguiles Balaudo de l'Argentine. Et pendant ce temps-là, ben, il y a Jade du Sablon qui, a quitté l'eau. Il vient d'embrasser la plaque. Et on verra, espérons qu'elle sera sans fond pour nous apporter quelques mots parce que Jade du Sablon, ben, elle commence à être une personnalité ici à Sherbrooke. Là, on la voit dans les compétitions internationales là, lors du 10 km de la finale. Et aujourd'hui, elle s'amène pour le 32. Et elle sera deuxième sur la deuxième plus haute marche du podium chez les dames. Alors, on fait les vérifications d'usage. Je peux vous garantir que d'ici, Jade va très bien. Et donc, on lui laisse le temps de reprendre un peu son équilibre. Pendant ce temps-là, c'est Aguiles Balaudo qui quitte et Galant vient la féliciter. Une belle confrérie, là, une petite perte d'équilibre, évidemment, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on quitte l'eau après avoir après s'être fait brasser la tête gauche-droite et être couché toute la journée. Ben, lorsqu'on reprend la position verticale, eh bien, une petite perte d'équilibre, ce qui est tout à fait normal. Pendant ce temps-là, ben, il y a toujours un autre athlète là, qui s'en vient, qui va contourner la bouée pour se rabattre vers le fil d'arrivée. On va vous l'identifier dans quelques secondes.